Inside Racing vous est présenté par Dunlop. Stig Lennart Blomqvist, pilote de rallye, champion du monde 84, légende vivante. Et voici Stig Blomqvist aujourd'hui. Il est un peu plus grisonnant, silencieux et peu loquace, ça l'a toujours été. Et le bruit et la vitesse, c'est toujours son truc. Compétiteur un jour, compétiteur toujours. Pour les courses d'exhibition, le pilote de 63 ans monte encore à bord des voitures de rallye. C'est toujours sympa de faire quelque chose dans ce sens. Et pour commencer un vrai travail, c'est un peu tard maintenant. Sa carrière en course est impressionnante. Saab, Lancia, Talbot et surtout Audi. Le Suédois participe à 84 rallyes de Coupe du Monde et remporte 11 victoires générales. Champion du monde en 1984, une idole des années 80, connu sous le nom de Maître Blomqvist. Mon équipier Pierre Eklund m'a donné ce surnom, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il était la plupart du temps deuxième derrière moi. Ce qui n'a pas été bon pour lui. Voici un de ses équipiers en Audi Quattro, un certain Walter Rohrl. Faisant au début figure d'apprenti de Blomqvist, il deviendra rapidement un rival de plus en plus sérieux et sera deux fois champion. Ah là là les gars, quand on n'a aucune expérience, c'est toujours nul. Allez discuter avec les pneumaticiens et surtout, demandez son avis à Stig, c'est lui qui est le plus au courant de ces choses-là. Les deux pilotes Audi courent rapidement dans une division à part. Le vieux renard suédois essaie toujours de rouler Rohrl. Il va par exemple faire changer plusieurs fois ses pneumatiques avant une course, simplement dans le but d'irriter son coéquipier et concurrent. Néanmoins, le respect est grand. Il était vraiment bon, très rapide et très professionnel. Il savait parfaitement ce qu'il faisait et a toujours tout donné. Il était différent des autres. Déjà à l'époque, un vrai pro. Les autres couraient toujours derrière. Le rallye a continué à se développer au fil des ans. Tout comme ici au Portugal dans les années 90, il fascine toujours autant les foules. Le vieux sabreur a du mal à faire des comparaisons entre hier et aujourd'hui. C'est difficile à dire. Beaucoup de choses ont changé. Je ne sais pas si c'est en bien ou en mal. Stig Lennart Blomqvist. Champion du monde des rallyes 1984. Et encore aujourd'hui, une légende vivante. Inside Racing vous a été présenté par Dunlop.